Bonjour, Jean-René Bastug. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de la journée de la traduction organisée par le Master Métier de l'écriture et vous souhaitons le bienvenu à l'Université Toulouse et Mirail. Jean-René Bastug, vous avez traduit de nombreuses œuvres à partir de la langue anglaise en français. Et que ce soit des livres culinaires ou de jardinage, mais vous savez surtout traduire, et c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, des romans policiers, notamment ceux de Peter May. Et nous pensons par exemple donc, à la trilogie écossaise avec les titres The Black House, The Levisman et The Chessmen, qui sont connus en France sous les noms L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lévis et Le braconnier du lac perdu, que j'ai dans les mains. Voilà. Et vous travaillez également sur la traduction de la trilogie Brighton de Peter Gutteridge, dont le dernier tome n'est pas encore apparu. Et vous vous consacrez aussi au roman policier de Dan Whedon, comme le code 1879. Et c'est avec grand plaisir que Simon et moi vous poserons des questions sur votre métier. Et tout en sachant que parmi nous, il y a des grands admirateurs des romans policiers. Est-ce que vous voulez déjà dire quelque chose? Sinon, je vais enchaîner avec ma première question. Non, déjà, bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir. Si vous pouvez. Oui. J'aime bien m'adosser, j'ai pas de mal. Je vais essayer de pas trop tripoter le micro, pour pas faire trop de bruit. Non, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est vrai que souvent il y a beaucoup d'amateurs de romans policiers, donc j'espère que je serai à la hauteur et que je vous fournirai des réponses qui vous paraîtront intéressantes en tout cas. Ok. Oui, allons-y. Oui, donc notre première question sera donc comment vous êtes rentré dans le monde de la traduction. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu vos parcours étudiants et professionnels? Oui, moi, au départ, j'ai jamais eu l'idée de faire ça, en fait. Mais il se trouve que j'ai eu la chance immense, même si c'est parfois mal vu en France, de bien-être, à savoir que ma mère est celle qui a fondé les éditions du Rouergue. Et alors que, comme étude, donc, j'ai fait sciences politiques à Toulouse, soyons raisonnables, et une année, j'étais, après avoir fait Sciences Po, en DEA de sciences politiques, donc juste en face à l'Université des sciences sociales, et je m'ennuyais profondément, et ma mère m'a appelé en me disant « Voilà, on est très embêtés, on a un bouquin qu'on n'arrive pas à finir. » C'était il y a fort longtemps, c'était en 1994, à l'époque, les éditions du Rouergue, c'était 3 personnes et 5 titres au catalogue. Et il y avait un ouvrage pour lequel elles étaient débordées, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour travailler. Elles m'ont dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait venir nous aider ?» Et moi, j'ai saisi l'occasion de fuir les études, en fait, disant « Oui, moi, je devrais pouvoir y arriver, puisque au lieu d'aller en cours ces derniers mois, j'ai appris à me servir d'un Mac et j'aimerais bien essayer de me lancer là-dedans. » Donc, en fait, je suis rentré dans l'édition avant de passer à la traduction. Et j'ai travaillé sur la collection jeunesse des éditions du Rouergue. J'ai mis en place tout le secteur d'infographie, etc. Donc, je suis dans le... Moi, je me considère plus comme un éditeur qui s'est mis à faire de la traduction que quelqu'un qui, dès le départ, a visé le fait de traduire, et plus particulièrement du roman policier. Et puis, peut-être parce que j'ai fait Sciences Po et qu'on nous apprend qu'on peut tout faire même si on n'y connaît rien, souvent on m'a dit « Est-ce que tu peux faire ça ?» Et moi, bêtement, j'ai toujours répondu oui, quitte à y passer des nuits derrière. Et donc un jour, on m'a demandé « Voilà,
On a un ouvrage de cuisine thaï avec 650 recettes. Est-ce que tu veux le traduire ? Ben, j'ai dit oui. Voilà, donc au départ, alors, comme quand même, j'avais jamais fait ça, on m'a laissé les recettes. Après, il y avait toute une partie d'introduction sur la civilisation, l'histoire, etc. Ça, non, on l'a filé à quelqu'un qui savait faire vraiment du texte. Et j'ai traduit mes 650 recettes, et puis comme ça s'est bien passé, que le bouquin a bien fonctionné, après, la maison d'édition elle-même, Rohwer, qu'on publiait de la gastronomie, des livres sur la nature, etc. Donc moi j'étais déjà baigné là-dedans, et j'avais l'habitude de travailler avec des spécialistes du domaine. Donc pour la traduction, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait faire la traduction, et on avait, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des spécialistes du domaine qui pouvaient relire derrière, et vérifier qu'il n'y ait pas trop de bêtises. Et la maison d'édition a publié Peter May, la série chinoise, justement. Et il s'est trouvé que, alors, cette série chinoise a été traduite par Ariane Bataille, qui est la traductrice des 6 ouvrages de Peter May qui se passe en Chine. Et arrivé à la fin de cette série de 6, donc à l'éditorial, on a demandé à Peter May, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant que ces 6-là ont été publiés? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et c'est là où il nous a dit, bah, moi j'ai un bouquin, là pour moi c'est ce que j'ai écrit de mieux depuis que j'ai commencé à écrire, mais personne n'en veut. Mon agent anglais ne sait pas quoi en faire, les Anglais, les Américains n'en veulent pas. Donc on lui a demandé le manuscrit, on l'a lu, on a trouvé ça très bien. Et par chance, la traductrice de Peter était occupée pour les 2 années qui venaient. Et comme d'habitude, moi j'ai dit, moi je veux bien le faire. Avec l'angoisse de passer des insectes et des ingrédients à de la littérature, oui, parce qu'il y a du texte écrit. Et donc on m'a dit, tu traduis 1 ou 2 chapitres et puis on va voir si ça va. Donc j'ai traduit 1 ou 2 chapitres. Et il se trouve que Peter May, qui vit quand même en France depuis une 20aine d'années maintenant, et qui, même s'il ne se juge pas capable d'évaluer la qualité d'une traduction, a trouvé qu'au moins il retrouvait le rythme, justement, de son écriture et le niveau de vocabulaire aussi, le niveau de langage. Donc il a été séduit. Et depuis, j'ai la chance de continuer à travailler là-dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de chance depuis le début, la chance de tomber au bon endroit, et puis la bêtise aussi parfois de dire oui à plein de choses, et de persévérer pour que ça fonctionne. Parce que dans une petite maison où on apprend à faire plein de choses, c'est une maison qui a toujours eu un très fort niveau d'exigence, donc après, une fois qu'on a dit oui, il faut quand même tenir le choc et se mettre au niveau. Donc, ça m'a beaucoup appris. Et c'est donc plutôt par chance ou même le hasard que vous pouvez, enfin, que vous traduisiez donc des polars. Après, une fois que Peter May m'a accepté comme traducteur, c'est pas juste avec Peter May qu'on arrive à. Alors, vivre comme traducteur, moi je ne vis pas de mes traductions. J'enseigne par ailleurs, je suis aussi travailleur indépendant. Donc j'ai fait du graphisme, enfin, toujours autour de l'édition, mais c'est vrai que je ne vis pas que de mes traductions, même si c'est ce qui proportionnellement me prend le plus de temps, en fait. Et étant dans le milieu éditorial, à la démarche, j'ai, pour mes traductions, suivi une démarche d'éditeur, c'est-à-dire que Dan Waddell et Peter Guthridge, je suis allé les chercher. C'est-à-dire que j'écume les sites anglo-saxons d'amateurs de polar, de prix littéraires type le Edgar Prize, qui est un des plus gros prix de littérature policière aux États-Unis, en repérant bien évidemment les premiers romans, parce que en général, les auteurs installés sont déjà traduits en France, et par des maisons qui ont certainement plus de moyens que nous pour convaincre les agents des auteurs que ce serait bien de sortir leur livre chez nous. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé Dan Waddell, c'est comme ça que j'ai trouvé Peter Guthridge, et on se fait,
on se crée son activité, en fait. Alors après, ce qui est bien, c'est quand on en trouve un qui marche bien, après, l'éditeur vous fait plus facilement confiance sur les suivants. Mais si j'avais attendu qu'on me propose d'autres traductions de polar pour continuer à traduire du polar, bah, j'attendrais que Peter May fasse son manuscrit annuel, parce que bon, c'est aussi l'avantage de travailler avec des anglo-saxons, c'est qu'ils se considèrent vraiment comme des artisans, ils travaillent très sérieusement, ils ont un rythme bien précis, et au minimum ils en font un par an. Mais un par an, ça ne suffit pas, donc il a fallu aller justement chercher d'autres ouvrages et d'autres auteurs. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est en relation directe aussi avec l'auteur, donc c'est un petit peu... on a ce privilège-là. Ça marche. Et donc, justement, pour en revenir aux différents types de traductions que vous avez pu réaliser, qu'est-ce qui est pour vous le plus délicat et qu'est-ce qui vous plaît le plus entre ces romans de policiers et ces livres plutôt de cuisine, de jardinage? Les deux sont compliqués, mais pas pour les mêmes raisons. Quand on traduit un livre de cuisine, il faut attention, faut faire attention à ne pas se tromper dans les mesures, à ne pas se tromper entre les ounces et les pounds, etc. Et traduire ça correctement, parfois repérer aussi des bêtises. Proportionnellement, un ouvrage sur la nature, un ouvrage sur la cuisine prend beaucoup de temps de recherche, en fait, c'est-à-dire d'aller retrouver les noms vernaculaires des insectes, des espèces diverses et variées. En cuisine, même si culinairement, les anglo-saxons ont fait d'énormes progrès ces 20 dernières années, le vocabulaire qui a trait à la nourriture est beaucoup plus pauvre qu'en français. Dès qu'il s'agit de parler de la cuisson du sucre pour faire un caramel, on a à peu près une dizaine d'étapes de cuisson différentes en français, entre le petit boulet, le grand boulet, le machin. En anglais, bon, bah, le sucre, il commence à fondre et puis ça fait du caramel. Alors, après, on prend un thermomètre pour savoir un peu où on en est, mais bon... donc il y a ces difficultés-là, parce qu'en plus on est dans un pays où dès qu'il s'agit de nourriture et de gastronomie, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Là aussi, les lecteurs, dont certains, on se dit qu'ils ont que ça à faire, écrivent, alors on est très content. Après ça dépend, on est plus ou moins content en fonction du ton avec lequel on nous explique que... Bon, il n'y a pas longtemps, là, il y a un lecteur qui m'a envoyé... le livre original de Peter May, photocopié, enfin les pages de ma première traduction où j'avais mis des bêtises, disant que c'était une traduction purement fantaisiste, etc. Donc là, comme on l'a réédité, j'ai introduit... Alors il y avait deux erreurs, hein. Bon, c'est pas terrible, et c'était mon premier roman, donc je m'auto-excuse pour ces bêtises-là, mais alors on a profité de la réédition pour corriger les bêtises, et je lui ai écrit... ce lecteur pour le remercier d'avoir corrigé mes fantaisies. Quoi. Mais sinon, bon, on est content hein, quand les lecteurs nous préviennent de ce genre de choses. C'est toujours délicat de laisser une bêtise quelque part dans un ouvrage. Donc pour les ouvrages donc, culinaires et nature, beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail à être sûr de la précision. Parfois on a des problèmes d'espèces parce que il y a des espèces qui n'existent pas en Europe et qui ne sont présentes qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre, donc on va être très embêté là pour trouver un équivalent. Les réglementations ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle cochonnerie dans votre jardin, il n'y a pas de souci. En France et en Europe, il y a des réglementations très précises sur ce que les gens peuvent utiliser comme produit, etc. Donc il faut aller chercher dans la documentation européenne. Et puis entre le moment où vous commencez à traduire et le moment où le bouquin sort, la législation a changé. Enfin bon, il y a tout un tas de choses drôles comme ça. Pour ce qui est du roman policier, toujours pareil, l'avantage de travailler avec les anglo-saxons, c'est que ce sont des gens qui font des recherches très approfondies avant de commencer à écrire le premier mot. Peter May, en général...
rédige un synopsis de 80-100 pages avant de commencer à écrire la première ligne de ses romans, où il sait déjà absolument tout ce qui va se passer, ce qui le libère beaucoup aussi pour lui, pour l'écriture. Mais il y a tout un travail de recherche avant, où il se rend sur place. Le dernier, qui s'appelle l'île du Serment, là, qui se passe donc sur l'île d'Entrée dans l'estuaire du Saint-Laurent, bah, il est allé passer 3 mois sur place à rencontrer des gens, à se documenter, à refaire les liens des familles qui avaient été chassées d'Écosse et qui se sont retrouvées là, etc. etc. Bon, c'est pas Elroy hein, qui démarre avec 400 pages de documentation et puis qui fait écrire d'autres gens, en plus, il triche un peu. Mais donc il y a ce gros travail. Alors après, ça veut dire aussi qu'on n'a pas droit à l'erreur, parce que Peter Med, dans la trilogie de Lewis, quand le héros traverse l'île et qu'il vous décrit sur le bord de la route une camionnette abandonnée dans un champ, si vous allez sur Google Maps, la camionnette, elle y est, quoi, dans le champ, etc. Donc là, vous êtes soumis, pareil, à la vérification des lecteurs, donc il faut faire très attention. Et je dois dire que je pense que si j'avais fait ce métier-là il y a 20 ans, j'aurais beaucoup plus de mal à faire mes traductions, parce que là, c'est magique, on peut aller sur place avec Google. Enfin, même si Google, c'est eux qui l'ont fait, donc malheureusement, on utilise l'outil qu'ils nous proposent, mais c'est vrai que même dans un coin reculé comme l'île de Lewis, ils sont allés avec leur petite voiture, tout prendre en photo et traîner dans le moindre champ. Alors les chemins qui vont jusqu'à la mer, ils n'y sont pas allés, mais... ça permet vraiment de vérifier, d'être sûr, et aussi de retrouver certaines atmosphères, parce que les descriptions de paysages notamment, bon ben, le texte a ses limites, hein, et ça permet soi-même de se faire son opinion et de se rendre compte à quel point le coin est merveilleux, le coin est majestueux, ou alors quand ça se passe comme les ouvrages de Dan Waddell, dans des coins un peu glauques de Londres, de voir à quel point c'est glauque, et de, notamment toutes les descriptions d'architecture, type tour et quartier un peu difficile comme ça, où bon, là, pareil, on peut vraiment se rendre compte de la réalité de ce qui est décrit. Donc, il y a des difficultés dans les deux, en fait, même si ce ne sont pas les mêmes, en tout cas. Merci. J'espère que ça répond à la question. Parce que parfois, je finis de répondre et j'oublie ce que j'avais commencé à dire. Et est-ce que vous seriez tenté par essayer de travailler sur d'autres types de projets littéraires, d'autres genres que le polar ? Non, pas spécialement. Moi, je me suis proposé pour traduire ça parce que j'adore le polar, et c'est aussi pour ça qu'on m'a laissé faire le test, parce que je suis un très gros lecteur de romans policiers, de polars, de romans noirs et de toutes les classifications diverses qu'on peut avoir en France autour de ce genre qui est assez vaste. Donc moi, ça me plaisait au départ, c'est quelque chose que j'affectionne, que ce soit pour le cinéma, la littérature, je sais pas, j'ai dû voir Le Parrain 40 fois. Les trois, ça fait partie c'est un univers qui me plaît, c'est quelque chose que j'affectionne. En plus de ça, j'ai un amour particulier pour l'Angleterre et la civilisation anglaise, plus que les États-Unis. Donc tout ça mélangé fait que je suis bien là-dedans, mais je ne me vois pas partir sur d'autres thèmes. Et en plus, les auteurs de polar anglo-saxons, je les aime bien, parce que ce sont des gens qui sont assez terre-à-terre, et moi aussi je suis assez terre-à-terre en fait. Quoi. Donc, voilà. Et du coup, vous n'avez jamais eu envie d'écrire vous vos propres polars ? Ah, ça c'est la question qu'on me pose régulièrement. Dans mon entourage, on me dit, tu devrais, t'en as traduit plein, maintenant tu devrais essayer d'écrire. Ça n'a strictement rien à voir en fait. Entre amener au lecteur français du mieux que l'on peut un ouvrage où l'idée première c'est de donner l'impression au lecteur que ça a été écrit en français tout de suite et qu'il n'y a pas eu de changement de langue, etc. C'est une chose, de bien le faire c'est encore autre chose, mais après construire une histoire, construire une intrigue, créer des personnages, trouver un cadre intéressant, là c'est
toute autre paire de manches. Moi, je m'estime pas du tout, pour l'instant, capable de faire ça. Et les rares fois où j'y réfléchis, au bout de 5 minutes, je me dis arrête, c'est complètement ridicule. Parce que les idées que j'ai sont d'une banalité affligeante. Voilà, donc c'est... Le problème, il est là. Le problème, c'est... Peter Mann le dit souvent, des histoires, il n'y en a pas 15. Hein. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de trahison, il y a des choses comme ça. Ce qui est le plus difficile, c'est de créer des personnages qui sont attachants, dans lesquels les lecteurs vont pouvoir se reconnaître, ou en tout cas se prendre d'affection pour les personnages. Et ça demande un travail phénoménal. Peter May, il a une fiche biographique pour chacun des personnages. Il sait où est-ce qu'ils ont été à l'école, qui ils ont eu comme amis, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier. Enfin bon, ça demande un travail. Moi, je suis plus... j'ai la patience de traduire, mais après, avoir des idées qui tiennent la route, c'est encore une autre histoire. Donc non, je ne vais pas écrire de roman. Pour en revenir à la traduction, on a la sensation que la traduction est parfois soumise à certaines modes, comme par exemple, avant on avait tendance à tout franciser, maintenant on essaye parfois de garder la langue originale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez pu le constater ? Moi je sais que quand je traduis, les éditeurs avec lesquels je travaille, qui s'occupent de la collection, puisque maintenant il y a une collection au sein de la maison d'édition pour le polar, me demandent de traduire le maximum de ce que l'on peut traduire. Et moi, certaines fois, je fais bêtement. Parce que oui, les générations se succèdent, et même si ça a mis du temps en France, les Français commencent à avoir quelques notions d'anglais quand même, et grâce aux séries aussi, et où on se dit, bon, ça quand même, on peut le laisser. Et je travaille avec des gens qui sont vraiment des littéraires. Donc, c'est très difficile de faire passer que, ce mot-là ou tel mot que tout le monde emploie dans la vie de tous les jours, on ne va pas le traduire. Voilà, il y en a eu de grands débats sur portable, mobile, sur enfin, des choses comme ça où ça paraît insignifiant au départ et puis... En fait, le premier ouvrage de Dan Waddell, qui est devenu Code 1879, dans la langue originale, le titre original, c'est Blood Detective. Moi, personnellement, je l'aurais laissé. Parce que, bon, Blood, a priori, en France, c'est bon, le sang, tout le monde se connaît. Détective, voilà. Mais non. Il a fallu, bon, alors... Après, moi, la science des titres, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. C'est très rarement moi qui trouve les titres des livres que je traduis. Parce qu'aussi dans les maisons d'édition, c'est hélas, de mon point de vue, de plus en plus les gens du marketing et du commercial qui choisissent ce genre de choses. Et comme ils prennent un peu les gens pour des crétins, on se retrouve avec vraiment des titres qui parfois en disent trop, des quatrièmes de couverture, qui à mon avis en disent beaucoup trop. Et ça nuit aussi à ce qu'on aimerait faire passer. Mais après... oui, on peut maintenant laisser un petit peu plus de mots de la langue d'origine, mais malgré tout, il faut essayer de se dire qu'on doit être compréhensible pour le plus grand nombre, d'autant plus qu'il y a, vis-à-vis du polar, ces dernières années, avec par exemple des auteurs comme Camilla Läckberg, etc., il y a beaucoup de gens qui sont venus au polar, qui n'étaient pas au départ du tout des amateurs de polar, qui n'ont pas forcément la culture de base du polar, en ayant lu des anglo-saxons avant, et cette connaissance un peu du vocabulaire qui est liée à tout ça. Et donc, des gens qui viennent au polar parce qu'ils sont plus intéressés par les histoires de couple ou de famille qu'il peut y avoir, justement, dans les Camilla Läckberg, par exemple, qui vont avant, qui prennent le pas sur les enquêtes, qui tiennent un peu des enquêtes de Tintin, quand même, un peu, certaines fois, où c'est quand même très très basique. Donc il faut aussi penser à cela. Et donc on essaye de pas se la jouer, de pas être trop entre nous, quoi, en fait. De se dire, oh, le lecteur comprendra. Il faut jamais se dire ça, de toute façon. Faut pas avoir trop confiance dans le lecteur. Non plus. Merci.
Pardon. Ce sera aussi intéressant de savoir si les maisons d'édition chez lesquelles vous êtes publié vous imposent certaines règles, certaines contraintes. Bon, la contrainte principale, c'est le délai. Et donc c'est très difficile à vivre, hein, parce que les bouquins, on ne les lâcherait pas si on s'écoutait. Alors il faut un jour les lâcher. Mais c'est, comme le disait l'intervenant juste avant, moi en général, en plus c'est pour avant-hier. Donc on essaye de se battre un peu. De toute façon, tant qu'on a la traduction entre les mains et qu'on a décidé de ne pas la lâcher, ben ils ne l'ont pas la traduction. Donc, mais il y a un moment où il faut lâcher aussi. Donc, le délai, c'est la principale contrainte. Par exemple, là je viens de recevoir, là j'étais à peu près tranquille ces dernières semaines, et lundi soir j'ai reçu le manuscrit du dernier Peter May. Mais seulement quand on s'était vu avec l'éditrice et l'auteur à Toulouse Polar du Sud, donc c'était en octobre. Le manuscrit original était parti chez l'éditeur anglais, on devait recevoir le manuscrit définitif, comme toujours dans l'édition Broad, dans la semaine, 15 jours maximum, le temps qu'il fasse quelques retouches sur le texte original, parce que les Anglais, eux, vont le publier là en janvier. Et comme en France, on se cale de plus en plus sur les modes de fonctionnement anglo-saxons, l'ouvrage pour l'édition française est prévu en septembre, mais on voudrait déjà avoir, au niveau de la maison d'édition, la traduction prête en janvier aussi. Parce qu'on va l'envoyer aux libraires, il faut que les libraires lisent le livre. Ensuite, il faut que la presse prenne le temps de se pencher dessus, etc. Donc pour un livre qui sort en septembre, sachant que y a beaucoup de monde à convaincre et beaucoup de monde auprès duquel il faut faire la promotion de l'ouvrage, plus ça va, plus on démarre tôt, en fait. Et là, je l'ai reçu lundi, le bouquin. Donc moi, je leur ai écrit tout de suite en leur disant, là, pour janvier, ça va pas être possible. Parce qu'en plus, Peter, il fait pas des bouquins de 100 pages, quoi, hein. C'est en moyenne 600-700 000 signes minimum. Donc, moi, quand tout se passe bien, en 2-3 mois, j'arrive à rendre... Alors, j'essaye, en revanche, de rendre une traduction... entre guillemets, irréprochable. C'est-à-dire que moi, ce qu'on aime bien chez moi, c'est que quand je rends un texte, il y a vraiment très peu de choses à faire dessus, mais fatalement, ça veut dire qu'en amont, j'ai pris plus de temps que le traducteur moyen pour faire un premier passage de texte. Moi, j'aime pas, une fois que c'est complètement fini, reprendre depuis le début et aller, on repasse, etc. Donc je le fais au fur et à mesure de la traduction. Ça m'oblige, moi, pendant que je le fais, à revenir moi-même certaines fois au début du bouquin, parce que il y a des choses qui ne colle plus, etc. Mais quand je rends la traduction, voilà. Et puis, comme je suis du métier aussi, je rends un manuscrit où le code typographique est respecté, où j'ai passé des correcteurs professionnels, etc. Donc, voilà. Moi, j'essaye de placer ma fonction de traducteur dans la succession des étapes et de rendre quelque chose qui va aussi faciliter la vie de la maison d'édition. Donc, je compense le fait que je suis peut-être un peu plus long un traducteur classique par le fait qu'après moi il y a moins de travail à faire. Voilà, parce que c'est souvent de ça dont ont peur les maisons, c'est-à-dire que quand on rend un texte, ils savent pas trop dans quel état ils vont récupérer le texte, ou peut-être que ça va être complètement à côté de la plaque au niveau de traduction, qu'il va y avoir énormément de boulot derrière. Moi j'essaye d'éviter ça au maximum. Donc il y a la contrainte du délai, et après il y a la lutte pour le niveau de langage, parce que comme je travaille avec des gens qui sont vraiment des littéraires, qui au départ ont fondé des collections comme La Brune aux éditions du Rouergue, donc qui travaillent vraiment sur des textes de vraie littérature, bon, on ne devrait pas dire ça comme ça, mais en tout cas des textes beaucoup plus sophistiqués que ne peuvent l'être les textes de Polar, parfois j'envoie mon texte et puis je reçois des corrections où... Non, ce qu'on me demande de corriger, certes, c'est juste, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas sa place dans un ouvrage, dans un roman policier. Sur ces fameuses îles de Lewis, dès qu'ils sortent et qu'il ne fait pas très beau, ils se font dévorer par des bestioles qui sont des moucherons. Alors c'est une variété de moucherons. C'est intéressant. Hein. Et
Donc moi j'ai traduit moucheron, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un moucheron, et ils m'ont renvoyé le manuscrit en disant « oui, mais ce sont des simulis ». Ça s'écrit S-I-M-U-L-I-E-S, d'accord. Moi j'aurais dit « je veux bien, mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème, ce sont des simulis, mais si je mets simulis dans le bouquin, déjà ça ne sert à rien, parce que c'est pas, on n'est pas en train de faire un livre sur les insectes, et puis il faut rester sur des choses simples, oui c'est des moucherons qui piquent, voilà. » C'est pas des simulis, ou alors quand on met machin et moi avons convenu de nous retrouver cet après-midi, ben moi, alors je sais que je fais une faute, mais on me renvoie le manuscrit en disant non, non, machin et moi sommes convenus. Je leur dis non, dans un polar, déjà personne quasiment ne parle comme ça, et dans un roman policier, si on commence à mettre le malfrat un tel et le malfrat un tel qui disent. Nous sommes convenus, non, ça ne peut pas coller. Un type qui est trafiquant de drogue ou qui vient de tuer quelqu'un deux pages avant, il ne parle pas comme ça. Ou alors c'est que c'est un personnage qu'on a voulu construire comme ça, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, il y a ces deux principaux problèmes, on va dire. Oui, merci. Je laisse encore la parole à Simon. Donc, qu'est-ce que ça change d'être traducteur sur le même auteur, et surtout quand il fait des trilogies ou des séries, et est-ce qu'il faut garder une certaine continuité, et quand on a fait un choix dans un premier livre d'une série, on doit s'y tenir après sur tout le reste ou pas ? Oui, quand on a décidé d'utiliser Moucheron, ça reste pendant les trois derrière. Ce qui est bien, c'est que déjà, personnellement, on noue une relation avec un auteur, et c'est toujours agréable, surtout quand ce sont des gens sympathiques. Ça permet de se rendre compte que parfois, les Anglais, comme nous aussi, laissent passer des choses assez terribles, des personnages qui changent de prénom entre le premier et le deuxième tome. Bon, après, le principe de la trilogie, ça, on est un peu tombé maintenant sous la malédiction de Millennium, en fait. Hein, puisque Millennium est une trilogie, enfin, qui devait, au départ, c'était pas prévu pour être une trilogie, il devait y avoir 10 livres, au départ, dans la série de Millennium. Mais Millennium a tellement fonctionné que maintenant, les éditeurs, ils ont cette espèce de chiffre magique devant eux, qui clignote, qui est 3. Donc, ils veulent des trilogies. Et ça fait que maintenant, même les auteurs d'entrée se disent « Tiens, je vais faire une trilogie. » Bon, même si, sur un plan dramatique, etc., c'est un schéma qui fonctionne bien, c'est vrai. Mais par exemple, Peter May, L'île des chasseurs d'oiseaux, enfin, The Black House, au départ, ça devait être un bouquin. C'est tout. Et nous-mêmes, arrivés à la fin, on s'est dit « C'est dommage d'abandonner tous ces personnages. » La motivation, ça a été ça, de dire bon, on va pas s'arrêter là, c'est quand même stupide, on a envie d'en savoir plus sur eux. Et donc, un peu entraînant des pieds au départ, Peter a accepté, dit bon, d'accord, je vais en faire deux autres. Et puis, il se trouve que ça a été une bonne idée, parce que pas en France, bon, il est très connu en France maintenant, et tant mieux, mais en Angleterre, c'est devenu une véritable star, hein, grâce à cette trilogie, donc lui, il est très content. Et donc oui, ça permet de bien travailler la continuité au niveau du vocabulaire, au niveau des ambiances, au niveau de ce qu'on essaye d'amener au lecteur et de quoi dire d'autre. Au niveau de la relation privilégiée, ça permet aussi d'avoir des retours même sur le texte original, hein, c'est-à-dire que les versions françaises qui vont sortir vont pas forcément être exactement la traduction à 100% du texte original anglais, parce que l'éditeur anglo-saxon a peut-être un niveau d'exigence un peu moins élevé que l'éditeur français, donc nous on va aller l'enquiquiner sur des choses où a priori l'éditeur anglais là, n'a pas soulevé ces problèmes-là. Avec Dan Waddell, après ses deux premiers ouvrages, son éditeur anglais l'a lâché, il était chez Penguin. Et non pas parce que ses ouvrages ne fonctionnaient pas, mais simplement parce que l'éditrice qui s'occupait du secteur où il était a changé, et puis la nouvelle est arrivée en disant « lui, on va pas le garder ». Donc le contrat a été rompu, et par exemple son troisième ouvrage, qui est sorti là, cette année, « La moisson des innocents » en français,
C'est un livre qu'il a écrit, il y croyait plus en fait. Pour lui, il n'avait plus d'éditeur, donc il avait commencé ce livre-là, il s'est fait lâcher, il en a réécrit un petit bout, puis un petit bout, et ça sur 3 ans. Donc résultat des courses, on s'est retrouvé avec un bouquin où les personnages changeaient de prénom, où entre la date de naissance qui était annoncée, ce qu'ils avaient fait, etc. Enfin, c'était farci d'incohérences. Et lui, comme en plus de ça, trouvait que ça se tenait pas très bien, ce qui était le cas, avait rentré là-dedans au chausse-pied une histoire de généalogie qui vraiment ralentissait. Donc là, on lui a carrément fait supprimer pas 20% du bouquin. On a retravaillé tout un tas de choses avec lui, parce qu'en plus de ça, et ça c'est notre petite fierté quand même, c'est encore un auteur anglo-saxon qui a publié d'abord en français chez nous, avant de publier en Angleterre, parce qu'on les lâche moins facilement peut-être que les éditeurs anglo-saxons, et que bon, on a une relation aux auteurs en France qui est encore... où il y a encore un peu d'amour. Voilà. Oui, donc est-ce que le fait de traduire plusieurs œuvres du même auteur vous permet de connaître l'auteur lui-même? Enfin, est-ce que ça tue d'une certaine manière aussi le suspense d'un livre? Est-ce que vous mettez à la lecture déjà en ayant une certaine attente? Ah bah oui, moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien traduire du polar, c'est-à-dire que si en plus on peut traduire un ouvrage dans lequel on rentre en tant que lecteur et qui nous plaît, c'est bien, et ça facilite d'autant le travail. Il n'y a rien de pire que de traduire un ouvrage où on s'emmerde du début à la fin et où vraiment on n'y voit pas d'intérêt. Donc, après sur... je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus, en fait. Est-ce qu'on a besoin du suspense, de la qualité? Précisez, aidez-moi là. Est-ce que vous arrivez à deviner la chute avant d'avoir lu en entier? Ça, c'est plus à force d'en lire, oui. Alors, non, moi, j'aime bien justement les auteurs qui arrivent encore à... qui ne rentrent pas trop dans des schémas, qui essayent de faire des choses originales. C'est pour ça que, par exemple, Dan Waddle, ça m'avait beaucoup plu, parce qu'il introduisait un généalogiste, ce qui est quand même relativement rare dans le roman policier. Il l'utilise très bien. Peter Mann, en lui, il arrive vraiment à caler son retournement dans les 20 dernières pages, en général. Donc il faut vraiment avancer, et ça n'est jamais évident. Donc, alors que du fait d'en lire et du fait de connaître les ficelles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins. Moi, j'ai de plus en plus de mal à lire les polars que je lis, à finir les polars que je lis, parce que soit ça m'ennuie profondément parce que ça avance pas assez vite, soit arrivé aux 2/3 du livre, grand maximum, on sait déjà qui a fait quoi, parce qu'il y a des scènes qu'on a vues dans X bouquins ou qu'on a déjà vues dans un film. Voilà. Donc, mais sur ce dont je m'occupe, c'est ça qui m'intéresse. Et après, justement, c'est aussi ce qui fait qu'on ne va pas forcément derrière suivre aveuglément et prendre aveuglément tout ce qu'a écrit l'auteur. Peter Guthridge, qui a fait une très bonne trilogie autour de la ville de Brighton, du milieu des gangsters de là-bas, et notamment un deuxième tome qui s'appelait Le dernier roi de Brighton, où en plus il y a toute la carrière d'un mafieux local dans les années 60 à Brighton, en Angleterre. Enfin, j'ai passé plus de temps à regarder des vidéos des Kinks sur YouTube et des Rolling Stones pour me remettre dans l'ambiance qu'à traduire, quasiment. Bon, son quatrième, où il a repris les mêmes personnages et le même cadre, etc., il était très bavard et d'une banalité affligeante, donc non... On ne l'a pas pris, même si on a une bonne connivence avec l'auteur, il y a quand même l'idée de se dire, il faut avant tout que ce soit un bon bouquin. Voilà, donc si on comprend tout trop tôt, non, c'est qu'il y a un souci. Peut-être une petite dernière question avant de laisser la parole au public. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos méthodes de travail? Est-ce que vous essayez de coller directement à ce que vous voulez faire au final, ou est-ce que vous
faites un premier jet que vous reprenez au fur et à mesure. Ben, moi, comme je n'ai pas eu de formation particulière à la traduction, c'est vrai que les premiers ouvrages que j'ai traduits, j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables qu'on peut faire, c'est-à-dire avoir une trouille folle déjà de m'éloigner du texte. J'étais vraiment, je le suivais au millimètre, et donc on retrouve, après à la relecture, on retrouve des structures de phrases où bon, ça se voit que c'était de l'anglais au départ, par exemple. Il y a des tics de langage dont il faut apprendre à se débarrasser. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qui font qu'au départ, on n'est pas soi-même un bon écrivain. Donc il faut devenir quelqu'un qui écrit correctement. Devenir un écrivain, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas apprendre à écrire correctement et apprendre aussi à s'éloigner. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est le jour où j'ai lu une interview du traducteur de Jim Harrison, qui traduit tous ses ouvrages depuis le début, où il expliquait que dans un des bouquins, il avait carrément rajouté un personnage parce qu'il trouvait que ça fonctionnait mieux. Quoi. Bon, ben, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est bon, je peux m'éloigner un petit peu quand même, je devrais... Et ça m'a fait beaucoup de bien, justement. Et d'apprendre aussi, et en s'éloignant, on apprend à passer plus vite sur le texte, à pas rester bloqué pendant 3 jours sur une formule, parce que c'est jamais en restant bloqué 3 jours sur une formule qu'on trouve la formule, c'est en passant à la suite, et puis d'un seul coup, 2 jours après, on est là, ah oui, tac, et on repart là où on avait coincé, donc il faut apprendre aussi à laisser des petits bouts comme ça dont on n'est pas satisfait, voire carrément pas traduit, parce que on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut, et plutôt que d'être bien scolaire et te dire, bah non, j'avance pas tant que j'ai pas franchi ça... Et parfois la suite du livre vous aide aussi à trouver la bonne formule, à trouver le bon ton pour ce qui précédait. Voilà, donc c'est... Mais ça, tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises en faisant, en me prenant aussi des retours de correction. Bon, ça, comme c'est une maison avec laquelle je travaille depuis 20 ans, maintenant on se permet certains rapports qui peut-être engendreraient des conflits si on se connaissait moins, mais on sait qu'on se dit les choses... pour que le livre soit bon, pas pour s'enquiquiner ou être désagréable. Et puis des correctrices qui mettent le doigt sur notamment tous les tics de langage qui passent tout à fait à l'oral, et puis dès qu'on commence à écrire. Après, sur des méthodes pures de travail, oui, j'essaye de suivre qui tutoie qui vous voit qui... de savoir faire évoluer les relations, quand dans un roman, un homme et une femme se rencontrent, ben au début ils vont se vouvoyer, puis bon, à partir du moment où par exemple ils ont couché ensemble, il faut penser à les faire se tutoyer, peut-être. Voilà, c'est rare quand on continue à se vouvoyer, bon, ça peut arriver, etc. Il y a des choses comme ça dans le dernier de Peter là, qui est sorti, l'île du serment, qui se passe au Québec, c'est très compliqué parce que tout le monde se tutoie au Québec. Même son supérieur hiérarchique, on va le tutoyer, sauf, mais on va vous voyez quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. Donc moi, avec cette habitude, alors les Anglais, ils n'ont pas du tout ce problème. Le tutoiement, le vouvoiement, Peter, à chaque fois, il comprend pas trop ce que je veux lui dire. Mais donc, emporté, ben, comme on a l'habitude de traduire, en général, quand un inspecteur parle à son supérieur, il le vouvoie. Alors au début, on arrive à se tenir au tutoiement parce qu'ils sont au Québec, et puis, hop, ça vous échappe, et allez, pendant 3 chapitres, on remet du vouvoiement, donc ça veut dire qu'il faut reprendre après les 3 chapitres et tout recaler. Bon, il y a pire comme misère hein, à vivre, mais voilà, c'est des... Il faut être méticuleux, attentionné, faire attention à ce qu'on fait, ne pas être trop accroché à son texte. Voilà, d'autant moins que, après, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis dans le métier aussi depuis un moment, souvent les livres que je traduis, je les monte aussi pour la maison d'édition. Donc certaines fois, j'en viens à retoucher le texte aussi parce que ça ne rentre pas dans le nombre de pages requis où il y a des histoires de qualité de mise en page, vous savez, les histoires de veuves et d'orphelines, vous avez peut-être entendu parler de ces choses-là. Bon, ben, quand vraiment on n'y arrive pas, je regarde un paragraphe, je me dis, bon, ben, tiens, je vais réécrire ça, comme ça, ça me fait gagner une ligne. Bon, là, c'est un confort suprême, hein, parce que j'ai fait la traduction, donc je le signale après à
la maison en leur disant là j'ai rechangé quelque chose, est-ce que ça vous va? Voilà, mais après, non, n'ayant pas appris à faire ce métier-là, j'ai pas une méthode de travail en béton. Je dis, moi, je commence toujours comme ça, et après, je fais ça, et ensuite, je fais ça, etc. Non. Je le lis une première fois, le livre, ça c'est sûr, en entier, sans même songer à ce que je vais faire au niveau traduction. Et puis après, c'est du temps, phrase après phrase, paragraphe après paragraphe, en regardant désespérément le bas, en se disant, encore 400 000 signes, encore... D'autant plus que, par exemple, Peter, lui, il écrit 3000 mots par jour. Une fois qu'il a fait son synopsis, alors, il y arrive parce qu'il a son synopsis de 80-100 pages, et en fait, il ne se pose jamais de questions sur la suite des événements. Il sait très exactement qu'est-ce qui va se passer après. Donc lui, il a un petit compteur, et quand il arrive à 3000, même si c'est au milieu d'une phrase, il arrête. Il se lève et il a fini sa journée. Voilà, donc mes 3000 mots, ça en fait des signes. Si j'arrive à traduire, quand je suis vraiment en forme, ou alors qu'à la maison d'édition, ils me disent « bon là, ça y est, il faut que ça parte », j'arrive à monter à 15-20 000 signes par jour. Mais bon, ça fait 10-12 pages par jour, mais 10-12 pages, nickel. Pas, mais là, on dort pas beaucoup, hein. Donc ma méthode de travail, c'est surtout de viser un certain nombre de signes par jour, parce que je sais que tel jour, il va falloir que je le rende. Donc je compte tous les jours. Alors au début, j'incluais les week-ends. Maintenant, je les enlève les week-ends, parce qu'il faut être réaliste un peu de temps en temps, il faut se reposer. Et donc ça me donne un certain nombre de jours. Et il faut que le nombre de signes, au bout de ce certain nombre de jours, eh ben, on les traduit. Voilà. Merci beaucoup. Alors si vous avez des questions, rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps... Vous avoir faim. Moi, j'avais une question par rapport à vos lectures. Est-ce qu'en tant que traducteur, quand on lit un polar dont on n'a pas été le traducteur, est-ce qu'on arrive à juste être lecteur de romans, ou alors on se dit toujours « moi, j'aurais fait différemment » Si on n'a pas lu l'original, enfin moi, j'essaye de ne pas me poser la question si je n'ai pas lu l'original. D'accord. Voilà. Après coup, parfois, ça m'est arrivé d'avoir lu l'ouvrage en français, de lire l'original après, de me dire... Ah, une fois, j'ai vraiment eu un gros regret d'un ouvrage que je me suis fait piquer, entre guillemets, par Rivage. Bon, en même temps, on est content quand on se fait piquer un manuscrit par Rivage, parce qu'on se dit « Ah, bah, au moins, c'était un bon bouquin. » Et de voir après le livre sorti et de lire les premières pages et de se dire « Bon, dommage, mais pff, après, faut pas trop se fixer là-dessus, parce que sinon... » On vit plus. Et donc au final, vous lisez plus en version originale ou en version traduite des polars? J'ai plutôt tendance maintenant à lire les versions originales. C'est-à-dire, en fait, je lis plus pour le plaisir. C'est ça le problème. Donc je me dis, quitte à lire, autant lire en version originale. Comme ça, si c'est bien, je le proposerai à la maison d'édition pour la traduction. Après, les très grands, très gros, qui sont déjà signés, etc., quand je veux vraiment me détendre, oui, là, je le lis en français... C'est de la pure détente, mais ça devient de plus en plus rare. Parce que pour trouver des bons titres, je veux vous dire que la traduction, c'est un filtre. En fait. C'est-à-dire que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour les livres, etc., ne nous arrive, entre guillemets, que le meilleur. Et pour trouver quelque chose qui n'a pas encore été repéré, je peux vous dire que vous lisez un paquet de bouquins qui, en plus, maintenant que n'importe quel... auteur peut se publier soi-même, je veux dire qu'il y a vraiment énormément de choses qui ne mériteraient pas d'exister, et qui ont du succès et qu'on lit, on se dit « mon Dieu, non, non ». Donc il y a cette recherche-là qui est de plus en plus pénible. En fait. Une dernière question, Julie ? Oui, vous parliez d'éthique de langage, qu'est-ce que ce serait Ouais, l'éthique de langage, quand on écrit mal comme moi au début, c'est de mettre des « en train de » faire quelque chose dans tous les coins, par exemple. Ouais, c'est des fautes basiques, mais quand on a le nez dans le guidon et qu'en plus on traduit le premier, maintenant je mets entre 2 et 3 mois à rendre une traduction nickel. L'île des chasseurs d'oiseaux, j'ai dû mettre 6 mois à le traduire, parce que j'avais jamais fait ça. J'étais complètement angoissé, et donc il y a plein de choses qu'on laisse passer. Parce que déjà, on a beaucoup de mal à se dire qu'on est en train de faire ça et qu'il faut le faire bien.
Donc le premier, oui, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas du tout. Après, la principale difficulté aussi, c'est d'arriver à passer au-delà de ses propres limitations et d'enrichir son propre vocabulaire et d'arriver aussi à avoir suffisamment de synonymes parce que bon, la répétition n'étant pas une faute en anglais, je vais vous dire par exemple dans les Peter May, lui une fois qu'il a dit que les vagues viennent se fracasser sur la côte, il peut répéter 150 fois que les vagues se fracassent sur la côte, il n'y a pas de problème, c'est pas une faute. Bon ben moi à la fin entre briser, s'anéantir, s'échouer, enfin on s'en sort plus quoi. Et le pire je crois que sont pour les dialogues, Peter Guthridge notamment aime bien à la fin de chaque phrase il met dit-il, et ça en français c'est pas possible. Alors au début j'essayais, s'exclama-t-il, répliqua-t-il, machin, maintenant je les enlève carrément parce que ça devient insupportable au bout d'un moment, on sait plus quoi mettre. Et plutôt que de bloquer là-dessus, si on bloque là-dessus, on oublie de faire un bon bouquin. Parce que malgré tout, il faut que ce soit la lecture qui soit agréable et que les gens aient envie et de mettre l'histoire en avant. Si vous relisez le premier volume de Millennium, au niveau langue, c'est catastrophique. Mais pourtant, l'histoire est suffisamment géniale pour qu'on n'y fasse pas gaffe. Voilà, c'est ça qui est important. En français ? Oui. Ouais. Mais c'est une traduction en relais, je crois. Non, c'est Elena Grimbar qui l'a traduit. Oui, ils étaient deux. Oui, Dominique, c'était son mari, Dominique. Oui, mais après, il y a aussi le temps et puis le budget qu'on veut bien, parce que la traduction, on coûte très cher hein, à l'éditeur. Moi, Peter May, l'éditeur, il n'a pas encore commencé à sortir. Enfin, le livre n'est pas encore sorti, que le livre lui a déjà coûté entre 8 et 10 000 euros. Parce que la traduction littéraire. En plus, j'ai la chance de travailler avec des maisons qui sont signataires de la charte des bons usages avec les traducteurs, etc. Donc, ils respectent les règles de A à Z. Ben, de respecter les règles, ça coûte cher. Donc, mais après, je ne savais pas que c'était une traduction. La traduction Millennium, elle a fait beaucoup parler d'elle. Oui, non, mais je vous dis, heureusement que l'histoire était géniale, que les personnages étaient géniaux, etc. Parce que en valeur pure d'ouvrage littéraire, ça vaut pas tripette. Mais bon, voilà. Si on savait, on essaye toujours de faire de son mieux. Puis parfois c'est une catastrophe, parfois ça marche super bien. Peter May marche de manière merveilleuse. J'ai autant d'admiration et d'affection pour Peter Guthridge. Peter Guthridge, il n'arrive pas à dépasser les 2000 exemplaires sur chaque titre. Parce que, je ne sais pas, c'est trop classique, c'est trop comme ci, trop comme ça. Peter May, il va atteindre les 200 000 exemplaires, là. On ne sait pas pourquoi. Si on savait, le métier serait beaucoup plus simple. Ben, merci beaucoup. On va vous libérer, vous puissiez aller manger. Et on se retrouve cet après-midi à 14h. Yeah.